flashing me. Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MALEXCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Let's flash high, guys. Where the fuck is it? Hey, left side. You play Valorant? What the fuck are you talking about, bro? Il a dit c'est où en A, lui? Donc là, on a 11 000 d'élo maintenant. Ok. Shift. You hear us, Undonut. Il est malade, frère. Moi je trouve un sien, elle est très jolie. Ils l'ont bien éclairci. Let's go. Oh, il me bloque. J'ai envie de casser la gueule. Jesus Christ. J'ai 30 HP, frère. Go back, long. Please go back, Amen. Please. Je suis mort. Il m'a mis. Oh non, il l'a raté. It's okay. D'où c'était, frère? Je crois il est sur il est sur A7, frère. Salut les frères, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a du monde, ça fait plaisir. Let's go, flashing. Oh, Miski, il a pris une flashouille. Donut. Cover me, Donut, please. Cover city now. Bah, moi, c'est les mouvements un peu là, les sauts, tout ça. C'est un peu. Dis quoi, Ganvice, Karambit Fade, les gars? Combo là avec la Rolex. J'espère que je vais pouvoir mettre mon vieux modèle là dans pas longtemps. AK Blue Gem, vous en pensez quoi? Je suis un peu déçu moi. Peut-être si je mets des stickers par contre ça peut être stylé de ouf. Parce que les stickers ils ont une gueule de zinzin sur CS2. Can you smoke long? Smoke long yellow. Smoke long on the right. Smoke on the right. Ah il est trop con. Just smoke on the right. Attends, là je suis dans les fumigènes. This is short, this is long. And I cannot watch, look. If I watch there, he's already in corners. I can't save. Même là le, tu vois le 2v4 et tout. Ouf pas ouf. Oh mon dieu. Yeah. Full blue bro. 2v2 guys, need to go on the bomb. Left side. Good job. Flashing me. C'était dur hein. On flash chicha. Non au contraire, j'ai fait exprès. En gros si tu flashes là comme ça, quand ils push, ils la prennent dans la gueule. You can plant. Boost me again. I'm dead. I'm low, please. Okay. Nate city if you can, bro. Let's go cave to B. One HP, one more. Baisser la résolution, c'est important. Flashing A, guys, flashing A. Flashing. This blind. Oh, on fait un revenge, t'en supplie.
pour rien. En gros, quand vous baissez la résolution, les gars, genre déjà de mettre en. Mettre en 4 tiers, même en 1440-1080, dites-vous, ça va vous faire gagner. It's still Red Room. Ça va vous faire gagner, genre vraiment beaucoup d'FPS parce qu'en fait, ça va allouer sur le processeur les ressources. It's cross short, on your left, contact on your left, contact on your left. Or are you on drug? Des trucs comme ça quoi, baisser à fond la résolution. Oh la flash! Je gonna save. What? You want the op? Ouais, les smokes c'est mieux, moi je trouve que c'est pas mal, même le MR12 et tout ça va vite. Tu peux enchaîner une game, deux games de plus dans la soirée, c'est plutôt cool. Voilà, tu mets une smoke, t'es un peu à couvert. On peut spray, les gens qui chouinent qu'on peut pas spray, c'est des menteurs. Non, moi je trouve que le jeu est une réussite. Hein. Je dis même pas ça en mode suceur de CS. Il y a 2-3 conneries. Il y a 2-3 conneries à changer. Agréable à jouer. Ah, c'est incroyable. Franchement, moi j'aime bien les sensations. Et dis-toi, je préfère CSGO, donc. C'est te dire. Overall, là, je préfère CSGO, tu vois. What? Ah putain, derrière moi. One petit spawn. Je préfère CSGO, tu vois. Mes sensations sont plus fluides sur CSGO. Le son, j'ai mes repères. Mais je trouve que CS2 là est un bête de jeu. Il y a 2-3 trucs que je changerais, moi, pour mon confort personnel, en fait. Pour le vieux aigri que je suis de mes repères. Tu vois le menu, là moi ça en haut ça me casse les couilles. De voir l'argent des gens, l'équipement, j'en ai rien à foutre. De voir leur PP, j'en ai rien à foutre. Je sais pas, l'argent là dans le HUD, ils l'ont mis en bas à gauche ici là, tu vois, en dessous du menu là. Je suis pas fan, je le préférais genre là, parce que j'ai l'habitude de regarder là mon argent. Donc faut que je m'habitue. Le nombre de kills que t'as. Là tu vois boum, il a 2 kills maintenant dans le round. Ici là ils ont mis des cartes avec 2 kills. Bon, je m'en bats les couilles. Mais je pense que pour l'endorphine des gens, tu vois, pour le cerveau malade des gens du 21e siècle, c'est très bien de voir que t'as 2 kills, ça veut dire que t'es fort, tu vois. T'as fait 2 kills dans le round, waouh, t'es récompensé, t'as une carte spéciale. C'est comme les noobars sur Valorant. Quand ils ont des bruits, t'as fait un kill, puis 2 kills, puis 3 kills. T'as un bruit, c'est pour ton cerveau, tu vois, c'est pour stimuler, pour dire ouais, il est bon. Tu vois, donc t'as plein de trucs. Moi, je trouve que on pourrait virer, tu vois, on pourrait virer 2-3 trucs. Il commence à y avoir trop de parasites visuels sur l'écran. Je suis pas trop fan, tu vois. Pareil pour le tab. Là, pareil, tu vois, il y a un changement de side. Hop, on te montre les agents, on te montre la PP de tout le monde, le nom de tout le monde. Je suis pas fan de ça, perso. Quand tu fais tab, t'as tes kills, t'as ton argent, tes kills, t'es mort. Je sais pas pourquoi on met un petit sand là, je comprends pas à quoi ça sert, bah va savoir. Ton ping, on en a à foutre, on peut le dégager. Tes kills, t'es mort, tes assists, ton ratio hot shot, j'en ai rien à foutre. Tes dégâts, ok, je peux comprendre. Je préférais l'ADR. Là, il faut faire 1000 divisé par 12, tu vois, ça fait 90 d'ADR. Je préférais l'ADR par rune, l'average, je préférais. Et le ratio headshot, j'en ai rien à foutre. Already temple. Y a plein de trucs comme ça que. Voilà. Là, t'as ton elo, donc c'est ton rank, ok. Là, t'as. Voilà, si t'es mort, si t'es pas mort. Avant, t'avais. T'étais juste bruni, tu vois. Donut or temple, just hit the bomb, fake it. Ouh, good job. Ah, je vois les gens aussi, ils jouent à fond au P2000, peut-être le P2000 il est pas mal. Là, envie, 1 sur 5, c'est nul à chier, on s'en bat les couilles. T'as les morts ici, t'as, tu vois, t'as ton scoreboard. Là, t'as le temps que ça fait que la game est en jeu, 19 minutes. Donc, vous voyez qu'on est à 11-2, 19 minutes. C'est rapide, c'est dynamique, le MR12, en vrai, tu sens pas les games passer. Mais je trouve le HUD, il y a des trucs qui servent à rien, quoi. Là, tu vois, t'es CT, pour montrer que t'es CT, tu vois, t'as un diffuse kit, je sais pas. Honnêtement, il y a 2-3 trucs, c'est vite fait, quoi.
Et là, moi, je trouve que la game, 20 minutes, 25 minutes, quand c'est fleuve comme ça, c'est exceptionnel. Parce que tu peux t'enchaîner. Tu dis, vas-y, allez, j'en relance une. Sur CSGO, mon frère, tu dis pas, j'en relance une. Hein. Tu réfléchis, hein. Tu fais un prêt à la banque avant de lancer sur CSGO. Oh là là, les mouvements. Tu fais un prêt à la banque avant, tu demandes, tu remplis des documents. Bonjour madame, est-ce que je peux relancer une game? Ah bon, ça te prend combien de temps? Je sais pas, 2 jours et demi à peu près. Plus il y a des pauses, un mec qui livre, machin. Donc CSGO, franchement, c'est un enfer. La hot rod, elle est exceptionnelle sur CS2, là, regardez. Avec le rubis, là. Ça dit quoi, kimono rubis, les gars? Sur CS2, c'est pépite, hein. Et donc ce chien, il est red room, il veut aller en B. Ah Jizzy, on va te fumer gros, respecte mes kimonos gros. Mid. Out, 2-3. Eh non, faut être agressif monsieur, si t'attends que les mecs qui te swing à deux, ça va être compliqué. In donut, A-side, both A-side. Good job. Voilà, 13-2, la game elle a duré 21 minutes. Have a good day, guys.